Je m'appelle Caroline, j'ai rejoint l'équipe opération de Mindset il y a un an et je suis aujourd'hui Lead Product Builder. Notre rôle, c'est de concevoir, implémenter et maintenir les chatbots des clients de Mindset. Donc l'implémentation, elle se fait sur une plateforme qui est construite par la tech et le produit de Mindset. Et notre rôle, c'est d'une part apprendre aux chatbots à comprendre les intentions des utilisateurs et d'autre part de construire les réponses qui, elles, vont s'appuyer sur des API clients, des bases de données. Donc le plus gros enjeu, c'est de construire des scénarios très compliqués qui vont s'appuyer sur plusieurs API, dans plusieurs langues, tout en offrant une expérience très simple pour l'utilisateur final. On va aussi veiller à faire progresser nos chatbots une fois qu'ils sont en ligne, tout en accompagnant au mieux nos clients grâce à l'expertise qu'on a sur leurs problématiques métiers. Avant d'arriver chez Mindset, je n'avais jamais travaillé dans le conversationnel. Au cours de l'année, on m'a confié des projets de plus en plus complexes afin que je puisse monter en compétences sur la manipulation d'une intelligence artificielle, la conception des scénarios et l'implémentation technique. On devient très rapidement autonome et responsable de nos propres chatbots. Et aujourd'hui, on m'a confié le lead de l'équipe des Product Builders. Être Product Builder, c'est être responsable de ton propre produit, le définir, le construire, le maintenir et le faire évoluer. De plus, c'est monter en compétence sur des sujets très techniques, comme la manipulation et le paramétrage d'une intelligence artificielle, ce qui va devenir de plus en plus courant dans de nombreux métiers. Être dans l'équipe opération, c'est être à la croisée de toutes les équipes de Mindset, ce qui va te permettre de travailler avec des profils très différents et d'avoir une appréciation globale de notre produit.